Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo toute seule, du coup, enfin s'il y a Junior là derrière qui est en train de nettoyer sa voiture. Mais du coup ça sera une vidéo où j'ai mangé pendant 24 heures que du verre. La direction Starbucks, donc je crois que il y a un petit problème, je sais pas si je vais trouver du coup du verre, mais espérons qu'il y ait du matcha. Les gars, on vient d'arriver au Starbucks, je suis dans la totale merde parce qu'il n'y a rien de verre. Enfin, en tout cas pas de gâteau, vraiment. Fais-toi plaisir. C'est moi qui t'ai dit. Bonjour, je vais vous prendre un vanilla matcha tea latte. S'il vous plaît, merci. Toi tu fais quoi? De l'eau de sucre et un jus d'orange. Donc là nous venons, mesdames et messieurs, de recevoir nos trucs. Donc hop, nous, moi c'est ça. Du verre. Et c'est à moi ça. Est-ce qu'on peut ouvrir pour voir si c'est vert? Voilà, c'est bien vert mesdames et messieurs, donc on ne triche pas. Donc guys, je vais vous donner mon avis très sincère. Donc ça c'est du matcha pour ceux qui ne connaissent pas. En fait je pense que ce challenge aurait été largement plus facile en Asie. Parce qu'en Asie tout est vert quand je vais au Starbucks. Je vais vous donner mon avis. Dis-nous la vérité. Je préfère le matcha du Japon. Il est un peu fort et pas trop sucré j'ai l'impression. C'est à essayer. Après toi Junior t'en as pensé quoi? T'as aimé ou pas? Dis la vérité. J'aime pas déjà le café de base là. Oh toi t'aimes pas le café, c'est pour ça. Donc ton avis ne compte pas. Merci, au revoir. N'hésitez pas à me dire dans le petit i si vous pensez que j'ai fini mon matcha ou pas. Donc je vais vous mettre le petit i ici. Donc vous mettez oui si vous pensez que je l'ai totalement fini. Ou bien non si vous pensez que j'ai pas trop kiffé puisque c'était vert et que bah j'ai pas fini du coup. Donc réponse dans 3, 2, 1. J'ai fini les gars, j'ai totalement fini. Donc il reste ce petit truc. Bon bah je vais finir aussi. Voilà, il n'y a plus rien. Arrivé. On va faire les courses là. Donc on prend un petit caddie. Je sais même pas comment ça s'appelle ce truc. Parce que le caddie. Moi je suis à 10 000 virgules dans toutes les phrases. Tu fais ma gueule ou quoi? On prend un. Eh hey, dites si c'est vrai, elle parle comme ça. On prend un petit caddie parce que on. C'est parce que je vous explique. Je réfléchis en kabyle. Parce que je réfléchis en kabyle et le temps que le mot sorte de ma tête en français, bah voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Donc là les gars, nous sommes à la recherche de plein de petits trucs verts. Donc je pense que là maintenant on va aller au rayon légumes. Et après bah, ça sera rayon bonbon, machin. Tu veux un avocat? Ah oui, j'aime trop les avocats. Oh, bonne idée, les avocats, c'est trop bon. Donc là, nous avons des pommes rouges, mais nous n'avons pas le droit de les manger, donc on les repose. Mais par contre, je viens de trouver des pommes vertes. Le problème qui se pose dans ça, c'est qu'à l'extérieur, elles sont vertes, mais à l'intérieur, elles sont blanches. Donc je ne sais pas si j'ai le droit de les manger ou pas. Donc je pense que je vais les reposer. Voilà. Oh, on a de l'aloe vera. Oh my god. Ah, ah ça pique. Et tu frappes quelqu'un avec ça là. Pareil pour ça, à l'intérieur c'est blanc. Donc je sais pas si j'ai le droit de manger. Dites en commentaire si elle abuse ou pas. J'abuse ou pas les gars? Aucune idée. De la salade, ça c'est vert. Il n'y a pas de intérieur, extérieur. Guys, ça c'est parfait. Je vais prendre ça, j'adore. C'est hyper bon. Donc c'est vert, donc on valide. Guys, je viens de trouver des avocats, c'est tellement bon. Franchement j'adore. Je vais faire du guaca avec, je crois. Putain je galère. 400 000 abonnés mais c'est même pas ouvrir un sac. Le truc a rien à voir. C'est trop de ces haters parce qu'ils ont rien à dire. On valide. T'appelles comment déjà ce truc? J'ai oublié. Des choux. C'est des choux? Des choux-fleurs. Bah non c'est pas un chou-fleur. Si. C'est un chou-fleur. Je suis mort. C'est des choux wesh. Bah faut se décider, c'est un chou ou un chou-fleur? Ouais c'est des chou-fleurs, c'est des chou-fleurs. Ça s'appelle un brocoli, c'est pas un chou-fleur. Ça? Ça s'appelle chou brocoli. Hey, ouais c'est un chou, ce que j'avais dit. Parfait les gars, on va prendre des olives parce qu'on valide. Oui, parce que c'est vert. Allez. Yes, yes, yes. Trio de légumes, haricots verts, petits pois et brocoli. Guys, je crois que je vais prendre ça. Comme ça, au pire des cas, si j'arrive pas à me faire à manger ce soir, bah je mange ça directement. On prend ça au cas où. Let's go. Parfait. Les gars, je viens d'arriver au rayon jus. Donc franchement, avant de venir ici, je pensais vraiment pas qu'elle allait avoir du jus vert. À part du jus de pomme, mais en général, le jus de pomme, il est un peu marrant, on va dire. Mais là, je suis choquée parce que je vois plein de trucs verts. Donc regardez, on a innocent kiwi, on a vraiment plein de trucs. Je pense que je vais plus miser sur celui-ci, donc hâte de le goûter. Et voilà, let's go. Guys, je viens d'arriver au rayon bonbons, chocolat, etc. Et je viens de voir un truc. Donc on a des bonbons. On les prend ou on les prend pas? Écoutez, je les mets à l'intérieur, si je trouve quelque chose de meilleur, bah je changerai.
Oh, j'aime trop ces moments. En fait, tous les moments il y a du sucre, j'adore. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a du vert, donc j'ai le droit de les manger. Donc je prends ça et à la maison, on va sélectionner tout ce qui est vert et tout ce qui n'est pas vert. Oh oui, t'es trop belle, bébé. Dis bonjour aux abonnés. Donc pour les gens que laissent pas Yuki, je vous invite à aller voir ma vidéo sur ma deuxième chaîne que j'ai faite avec elle. Donc normalement le petit i elle est là. Donc je vous mets la vidéo que j'ai faite avec elle, comme ça vous pouvez la voir, etc. Mais je pense faire une vidéo bientôt, du coup avec Yuki, où je vais répondre à toutes vos questions. Donc là guys, je viens de voir que Julien avait des chewing-gums verts. On vérifie s'ils sont bien verts, donc comme vous pouvez le voir, c'est du vert, c'est pas du blanc, du bleu, je ne sais quoi. Donc on y go. C'est des fridans à la menthe et franchement ils sont super bons. J'adore. Donc là, Auria vient de nous rejoindre. Elle est derrière avec Yuki. Maïssa n'est pas venue parce que elle fait la star. Non, je rigole parce qu'elle a un truc à faire. Après 20 heures de route, on est enfin arrivé dans leur bled là. Donc là, les gars, depuis tout à l'heure, je fais les restos avec Auria pour essayer de trouver quelque chose à manger qui est vert. Pour aller enlever la faim, je vais prendre un goûter sucré, donc des cookies, etc. Et après, bah, ce soir, je vais essayer de dîner plus tôt, donc à 18h, comme ça. Donc je vais faire un gros gros plat. Je vais vous prendre un thé vert matcha choco blanc, s'il vous plaît. Là, je vais aller acheter des macarons verts parce que j'en ai vu tout à l'heure. Donc, c'est quoi des macarons? Je sais pas, c'est quoi un macaron? Choqué, choqué, c'est pas ce qu'un macaron. Bah là tu vas découvrir et tu vas savoir ce que c'est qu'un macaron vert. Là les gars c'est bon, je suis arrivée au Starbucks pour pas déjeuner mais on va dire prendre un petit goûter. Et du coup j'ai repris le même matcha que celui de ce matin. Donc on vérifie que c'est vert. Donc si si c'est bien vert. J'ai pris aussi du coup un super smoothie innocent. J'ai également pris des macarons. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des macarons verts. Et le meilleur pour la fin, j'ai pris un cookie vert. Auria, elle, elle a pris du coup... T'as pris quoi, Auria? Un frappuccino caramel. Ouais. Et un muffin. Ça a l'air pas bon. Si, j'adore. C'est au matcha. Tout ce qui est vert, c'est pas bon. Ah bah voilà. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi j'ai décidé de choisir du coup la couleur verte. Parce que tous les enfants pensent comme Auria. Tout ce qui est vert, c'est pas bon. Alors que c'est faux. Là depuis ce matin, tout ce que je mange, bah c'est hyper bon. Le cookie là, il est hyper bon, il est sucré comme il faut, etc. Donc, et ce soir j'ai hâte de cuisiner avec les aliments verts. Donc c'est juste une idée fausse que vous faites. C'est bon de manger vert. Donc là je vais goûter le petit macaron. On oblige à manger vert. Pas bon. Ça me va ? On dirait là. Donc là, on va passer à notre petite boisson. Donc, des fruits, du concombre. Si, j'aime bien. Goûte. Non. Si, si, goûte. Ça sent pas bon. Tiens, tiens, tiens. Voilà, c'est pas bon. Oui. Moi, j'aime bien. Non, c'est pas bon. Oui. Et vous êtes bizarre. Toi t'es bizarre. Cheese. Motherfucking. C'est quoi? C'est sur TikTok, genre, je sais pas, elle fait cheese. Donc guys, je vous reprends dans quelques minutes, le temps de rentrer chez moi, etc. et de préparer à manger. De toute façon, je vais préparer à manger avec vous, donc à tout de suite. Re tout le monde, je suis enfin arrivée à la maison, donc il est 22h. En fait on a dû déposer Auria, etc. puisqu'on était à 1h de Paris. Du coup on a fait un long trajet. Donc là je vais manger. Voici les courses de ce matin. Donc guys, là je vais aller me changer, faire mes soins et du coup revenir pour cuisiner. Donc là les gars, je viens de finir de faire mes soins, etc. Il est 23h donc je suis claquée. Je ne vais pas faire à manger donc du coup je vais directement réchauffer ce plat. Donc je n'ai pas pu déjeuner aujourd'hui. Pour me rattraper, je vais continuer à manger vert jusqu'à demain 13h. Et comme ça demain je pourrai faire à manger, cuisiner. Là, à quoi ressemble notre purée. Elle m'a pas l'air très très appétissante. Donc là j'espère de tout mon cœur que c'est bon. Priez pour moi. Franchement j'adore. Dommage que je peux pas manger du pain, parce que j'aurais bien aimé du coup manger ça avec du pain. Je m'apprête à boire du coup ce petit truc vert. Non franchement ça va, c'est pas le meilleur jus au monde, je vous l'accorde.
mais ça va. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toujours aussi bien. Donc là on est le lendemain et là je m'apprête à aller cuisiner pour manger du coup, pour déjeuner. J'ai pas petit déjeuner aujourd'hui parce que j'avais plein de trucs à faire. Là je vais sortir tous les aliments que j'ai achetés qui sont de couleur verte et je vais voir ce que je peux faire avec. Donc voilà guys, là je viens de finir de faire à manger, j'ai fait une petite salade avec des olives vertes et du coup des avocats et j'ai ajouté du sel et des herbes de Provence, donc hop, voilà, elle est toute belle la salade. Et du coup j'ai pris des avocats à part parce que j'aime trop les avocats, c'est vraiment ma vie. Et voilà, et j'ai mis le truc noir, c'est du vinaigre de balsamique que j'adore, j'aime trop, ça ajoute en fait un petit truc sucré. Et je sais c'est pas vert mais... C'est une vinaigrette quoi, je suis un peu obligée. Pour la boisson, j'ai pris le petit Innocent Super Smoothie, donc que je vais boire, qui est juste ici. Donc guys, bon appétit à moi. Et je vous dis à tout de suite du coup pour vous dire mes impressions, etc. par rapport du coup à cette journée, enfin à cette longue journée. Donc voilà les gars, je viens de finir, voici le résultat de ma petite salade, donc il n'y a pratiquement plus rien, enfin il n'y a rien. Et du coup, pour les avocats, pratiquement pareil aussi. Et mon jus, donc je suis en train de le terminer, donc doucement mais sûrement. Donc je termine la vidéo avec Yuki, elle était là, en train de me manger le pied. Voilà les gens, c'est la fin de ce vlog. Donc du coup pour revenir sur du coup la journée d'hier et du coup ce que j'ai mangé à midi, bah franchement c'était super bon. Ce qui était galère du coup c'était de pouvoir trouver un resto qui servait quelque chose avec la couleur verte, genre entièrement c'était pas possible. Il y avait des trucs avec la couleur verte, du coup on avait des légumes etc, mais le problème c'est qu'il y avait toujours un peu de blanc, la viande à côté etc, donc je pouvais pas manger entièrement le plat. Mais à part ça, à la maison, c'est largement faisable. Après, je pense que on pourra pas manger vert toute sa vie. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis hier, bah, je mange super healthy. Je mange que des légumes, de la purée, etc. Même les trucs un peu gras, on va dire, comme les cookies, etc. Au final, c'était pas... Tu veux partir, Yuki? Tu veux descendre? Allez, hop, descends. Au final, même les cookies, les macarons, etc., c'était pas... forcément ou énormément gras, parce qu'après de toute façon on va rééquilibrer ça. J'ai pratiquement tout kiffé, il y avait que le jus là, il y avait ce jus du coup que j'ai pas trop apprécié. Or ce jour de où je dois manger vert, je pense pas que je vais l'acheter parce que moi je suis plus jus d'orange, jus d'ananas etc. Celui-là aussi pareil. Et et voilà les gars, j'espère que cette petite journée vous a plu. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo où je mange une autre des aliments d'une autre couleur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà quoi, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à liker cette vidéo si vous avez kiffé ma petite journée. Et je vous dis à vendredi 17h comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, salut.